kommen zwei Athleten, die mehrmals am Milgruyer teilgenommen haben. Und beide waren in dieser Saison in Tokio an den Olympischen Spielen. Jonas Rees, 9e des Jeux Olympiques. Bienvenue à Laure Hoffmann. Ich bin immer sehr, sehr nervös gewesen. Ich meine, wir haben ein Jahr lang trainiert für den Tag X, wo Mr. Milgruyer war. Pas partir trop vite, de s'écouter et d'essayer de finir vite, ça fait toujours plaisir. Allez, allez, c'est bien, allez, allez! Ja. Endschnell, die Jonas Rees und Laure Hoffmann. Bravo. Schönen Endspruch. Sehr, sehr gut gemacht, gratuliere. Super gewesen. Si vous voulez faire une photo souvenir avec les stars, vous pouvez aller à l'arrivée. Das erste Mal, als ich mitgemacht habe, bin ich 3:10 gelaufen. Es war nicht immer nur super. Es war nie auf dem Podest und ist jetzt Weltklasse. Also einfach, du musst immer dranbleiben und einfach Freude haben. Le chrono 3:02:03 für eine fille âgée de 11 ans. C'est très impressionnant. Ah bah ouais. Moi, au même âge, enfin non, en fait, au même âge, j'avais pas fait d'athlétisme encore, mais à 12 ans, je faisais 3:45, donc c'est dire. Wie heißt du? Wie heißt du? Comment tu t'appelles? Was ist das Vorbild für dich? Mein grösste. Grösste Vorbild. Jonas Rees. Du hast früher Vollgas gegeben, ein Milgruyer-Projekt. Jetzt hörst du einen und sagst, ja, es ist mein grösstes Vorbild. Sehr speziell, ja. Sehr schön, wenn man so etwas hören kann. Ist mir zum Teil wahrscheinlich gar nicht bewusst, wahrscheinlich auch der Lore, dass zum Teil junge Läufer schon oder Läuferinnen aufschauen tun. Ja. Les jeunes athlètes qui disent bah, c'est mes exemples, c'est mes modèles. Bah ouais, bah c'est beau, surtout qu'on ne s'imaginait jamais à cet âge-là être ici avec Jonas et puis avec tout ce qu'on a vécu là. Donc c'est vraiment chouette en fait de revoir ça et de se rappeler ce que nous on a aussi vécu et de transmettre en fait ouais, tout ça et puis de montrer qu'on peut y arriver aussi, même si en fait on n'a pas fait de médaille et puis bah, parce qu'on aime ça.